Bienvenue à tous et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le test de Firewall Ultra, un FPS compétitif annoncé en grande pompe pour le PSVR 2 qui vient tout juste de sortir. Alors, Firewall Ultra vaut-il le coup? Eh bien nous allons y répondre juste après le générique. Tout d'abord, il est disponible en deux versions, une version à 39€ avec le jeu de base et une version à 59€ qui propose plus de contenu, notamment 4 agents en avant-première que je n'ai pas encore testé, 4 skins ainsi que le pass d'OP, donc un battle pass dont je ne parlerai pas ici car il n'est pas encore disponible. Et oui, le jeu sort avec quelques éléments indisponibles. Mais passons. Ah, et on retrouve également 4 camouflages d'armes dans cette édition bonus. Je tiens à préciser que tous les bugs et autres problèmes seront sans doute corrigés ultérieurement, mais pour l'instant l'état actuel du jeu est un petit peu décevant sur de nombreux points. Mais bon, comme son prédécesseur, Firewall nous propose deux modes de jeu. Un mode de jeu tactique, le premier est donc un mode de jeu compétitif en 4 contre 4, où vous n'avez qu'une seule vie. L'objectif est soit de pirater un PC, soit de le défendre, avec au moins deux manches gagnantes. Le deuxième mode, qui s'appelle X-File, est un mode en coopération, où le but est de survivre en prenant plusieurs points stratégiques, tout en affrontant une vague d'ennemis contrôlée par l'IA, ce qui rend le tout un peu difficile, mais je vous rassure, surmontable. Le jeu comprend 8 cartes à sa sortie pour les différents modes de jeu. Ces cartes ressemblent beaucoup à celles du premier épisode pour certaines, mais elles restent magnifiques, avec leur jeu de lumière époustouflant, et surtout, entre le jour et la nuit, pour certaines maps, c'est vraiment excellent je trouve, on ne se perd jamais, même de nuit, même si il est bien recommandé d'avoir une flashlight. Le design des niveaux est également super bien pensé et très très intelligent. On n'a pas l'impression d'avoir des recoins inutilisés. Ça c'est vraiment cool. Cependant, pour jouer au mode de jeu, l'attente va être un peu longue, même très longue. Pourquoi? Parce que le peer-to-peer, qui est le mode de connexion utilisé par le jeu pour justement le jeu en ligne, est un peu problématique. Les connexions sont assez difficiles et du coup ça rend le tout assez agaçant. Franchement, j'ai attendu plus longtemps dans les lobbies que pour jouer en jeu à l'heure actuelle. Le jeu a du mal à trouver 8 joueurs et lancer les parties peut parfois être un véritable défi. Après, il n'y a pas trop de problèmes in-game. Ça, vraiment, j'ai ressenti aucun souci. Une fois qu'on est en game, tout se passe sans accroc. À part quelques rares déconnexions, probablement dues à des joueurs qui se fichent de leurs coéquipiers et qui préfèrent quitter la partie en cours parce que j'en ai marre de jouer au jeu et je préfère pas attendre la fin de la manche. Pendant les sessions de jeu, vous aurez de quoi tirer sur les ennemis, mais là encore c'est assez limité. Certes, les sensations de tir sont excellentes et les commandes sont ultra bien pensées et sont très réactifs. Avec notamment un système de visée classique en tenant l'arme donc à deux mains, mais aussi un système de visée avec zoom qui s'active lorsque vous clignez des yeux comme dans la réalité lorsque vous voudrez zoomer avec une vraie arme, en regardant dans le viseur. Et bien là, ceci aura pour effet de zoomer lorsque vous clignez des l'œil, démontrant ainsi la puissance du suivi oculaire du casque. Cependant, les grenades sont quant à elles très mal gérées avec le suivi oculaire, car l'idée de regarder dans une direction pour voir où la grenade sera lancée ne fonctionne pas très bien, sauf pour des courtes distances. C'est un peu dommage, surtout qu'on sait que c'est une fonction qui était quand même vachement mise en avant, le fait d'avoir un suivi oculaire. Bon, ça fonctionne bien avec les viseurs, mais pas avec les grenades, c'est un petit peu dommage. Revenons au choix des armes. Pour le moment, le choix est limité, car les armes se débloquent avec la monnaie du jeu et celles-ci sont assez chères. Pour y remédier à ce problème, il est censé y avoir des contrats à remplir, sauf que ceux-ci ne sont pas encore disponibles à l'heure où je vous parle, le jeu sort avec des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles, c'est un petit peu décevant. Tout comme quelques autres fonctionnalités dont je n'ai pas encore parlé parce qu'elles ne sont pas non plus disponibles. Donc du coup, il y a des trucs que je parle pas alors que vous les verrez peut-être au moment où vous achèterez le jeu. Et même avec une bonne progression, il sera difficile de compléter votre arsenal. Le jeu demande vraiment beaucoup de temps et vous pousse un petit peu à dépenser la monnaie virtuelle du jeu, ce qui est un peu dommage, surtout quand on sait que le jeu de base n'est pas un free-to-play. Heureusement, les sensations des armes en jeu sont très très bonnes et avec une assez bonne progression, assez lente, mais tout de même très longue, vous arriverez évidemment à débloquer l'intégralité du contenu. Ça va de soi. Les mouvements du personnage sont elles aussi très réalistes, ça fonctionne très très bien, avec une position accroupie et une petite glissade qui rend le tout un petit peu dynamique, même s'il faut pas se leurrer, on reste en FPS au style tactique, donc n'espérez pas courir dans tous les sens comme un Call of ou un Battlefield. Un conseil, ne jouez pas seul. Bah oui, c'est un FPS tactique, communiquez avec vos amis, ça semblerait assez logique. Et si vous voulez, vous pouvez même jouer avec des joueurs français, d'ailleurs mon PSN moi c'est Manu4CV, n'hésitez pas à m'ajouter, je jouerai volontiers avec vous. Pour vous occuper entre les sessions de jeu, il y a des lobbies, où vous passerez plus de temps
dedans du coup que dans les fameux modes de jeu, mais bon, heureusement le lobby est bien pensé. Dans ce lobby, on y retrouve notamment la possibilité de créer vos classes, même si cela prendra un peu de temps, le temps de débloquer les armes permettant de créer les classes, puisqu'au début vous aurez des classes prédéfinies qui vous seront un petit peu offertes. C'est plutôt cool pour découvrir déjà des armes avec accessoires et autres, histoire de pas tout le temps jouer avec juste de l'arme de base. Ça c'est très cool, ça permet de se familiariser avec déjà quelques accessoires. Il vous permettra aussi d'accéder à un stand de tir, vous permettant également d'utiliser vos armes que vous avez créées afin de voir si elles sont plus ou moins puissantes. On pourra également y choisir son agent, le personnaliser, ajouter son atout, son skin, ainsi que ses grenades secondaires et équipement principal. J'ai parlé beaucoup du lobby, mais je vous parlerai aussi du tutoriel qui vous permet de vous initier au jeu. Il explique donc les bases de chaque type d'arme, ainsi que quelle subtilité, ainsi qu'à la fin, une mission d'entraînement vous permettant de vous familiariser avec l'intégralité des commandes apprises. Et tout ça saupoudré d'une voix française. Et oui, le jeu est doublé, et ça c'est un très bon point. C'est pas tous les jours qu'on a des jeux doublés, ça se fait, j'ai l'impression, de plus en plus souvent sur les gros titres, mais sur les titres un peu plus, on va dire, un peu moins gros budget, et bien ça se ressent un peu moins, et même si le titre a dépensé beaucoup d'argent pour faire un jeu à grand succès sur PSVR 2, bah, je m'attendais pas forcément à un doublage français. Bah, là c'est le cas, donc c'est très correct. Voilà, vous permettant d'avoir quelques messages un peu tactiques dans les divers modes de jeu et de vous apprendre le tutoriel bien comme il faut. Alors oui, au premier abord, le jeu peut sembler un peu complexe. Ne négligez pas le tutoriel, ça c'est un très bon conseil. Et un deuxième conseil, si vous commencez à jouer après le tutoriel, jouez en coopération ou en coopération privée. En ce qui concerne ces modes de jeu, ce sera quand même beaucoup plus simple que de tomber sur des joueurs hardcore qui connaissent le jeu par cœur et qui vous dégommeront lors de vos premières sessions en 4 contre 4. En ce qui concerne le confort de jeu, j'ai trouvé que c'était assez bien foutu parce que vous le savez, mais en réalité virtuelle, le confort de jeu est très important. Et dans ce domaine, on va pas se mentir, on est quand même plutôt gâté. Je n'ai pas tout testé, mais pour les débutants ou pour ceux qui sont sensibles au motion sickness, eh bien il y a vraiment tout, l'histoire que vous soyez pas dans le mal en jouant à ce jeu. Et il y a vraiment beaucoup d'options pour adapter le jeu à vos besoins, ça c'est très cool. Le petit point décevant pour moi, c'est en ce qui concerne les modifications de contrôle. Elles sont très limitées et ne permettent pas grand chose. Heureusement que les contrôles de base sont plutôt bien foutus, parce que sinon ce serait vraiment dommage. En conclusion, oui, le jeu souffre de nombreux problèmes et donne l'impression d'être une bêta déguisée en jeu final, puisque je vous rappelle que vous le payez quand même assez cher et qu'il n'est mentionné nulle part que c'est une bêta. Pour autant, j'ai vraiment l'impression que ça donne cette sensation de bêta. Cependant, une fois les bugs et les problèmes de réseau corrigés, ainsi que le contenu manquant qui est oublié, le gameplay est très très agréable, les commandes répondent super bien, les sensations de tir sont excellentes et le jeu a vraiment un très très beau charme, je trouve. Ça rend super bien dans le PSVR 2. En l'occurrence, dans cette vidéo, j'ai essayé de passer le moins de temps possible sur les bugs répertoriés ainsi que les problèmes, bien que j'ai dû mentionner les plus gros. Hein, il est clair que je n'ai pas parlé de tout plein de petits bugs comme le fait que lorsque vous terminez une partie, votre score s'affiche 3 mètres au-dessus de vous et du coup vous avez du mal à voir ce qui s'est passé. En termes de scoreboard, c'est un peu moyen, mais bon, bref, il y a encore 2-3 petits bugs, comme le fait que votre arme peut changer de main à tout moment et passer de votre main principale droitier à gaucher parce que vous avez fait une manip qui est un peu bizarre, je trouve, mais bref. Il y a plein de petits bugs dont je ne mentionne pas, mais en règle générale, eh ben, même si cela intervient quand même assez rarement, il y en a quand même. Mais au global, le jeu s'en sort très bien. Et je suis sûr qu'avec un peu plus de temps et un peu plus de mise à jour, la note serait clairement relevée. Après, la note n'est pas dégueulasse, pour l'instant, je lui attribue la note de 15. N'hésitez pas à essayer le jeu, tout dépendra de la date à laquelle vous verrez cette vidéo, mais d'ici un an, la plupart des problèmes seront sans doute corrigés, et du contenu supplémentaire sera ajouté, comme 2 maps qui ont déjà été annoncées par les développeurs et qui ne sont pas encore disponibles. Allez, quant à moi, c'est fini pour ce test, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, tchuss tout le monde.